Vas-y, moi je vais tester mon ETB pour l'instant. Et tu vois, ton ETB va être full hit. Possible, hein. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Le reste c'est pour les gosses. Non, moi je joue ça juste pour avoir cette carte là, tu vois. Que je trouve vraiment super belle. Il serait intéressant de l'envoyer à gradé. Peu importe la valeur, je m'en fous. Pour voir si la qualité des cartes promo sont un petit peu mieux. Mieux que les anciennes, quoi. Allez, let's go. Bon, petite ouverture. Riolu. Chevroom. Lépidonie. Polichombre. Chapignon. Truc. Scarino, Ramolos, Reverse, Mascaïmon, Reverse. Oh. Le petit Coraidon X, let's go les gars, let's go. Je pense que tu vois tout le lot, après je le revendrai sur Shiny éventuellement à quelqu'un qui veut. Les cartes que je vais pas garder. Ou garder justement en double, comme ça tu vois, je peux avoir des Reverse et des doubles pour vous quoi. C'est pour ça aussi que j'ouvre un peu. Comme ça tu vois, je vais avoir une petite boîte avec mes petits hits où je pourrais vous échanger. Vas-y, j'ai envie de faire une ouverture comme ça. Reverse, Reverse, Reverse. Et Miraidon. Après, il faudrait... Attends, comment... Ah, on pourrait faire des... Eh, attends, on peut tenter une ouverture... Non, on va regarder quand même les cartes. Je vais faire une ouverture TikTok directement à la sortie, c'est un peu con, quoi. Pas de ectoplasma dans ce set. Ah, le dernier gros ectoplasma, c'était... Point de fusion. Point de fusion. Poussacha, Malos, Baudrive, Pietassé, Crocorrible, Flamanroule, Forteresse, Pomote... Super Bambin. Oh, deuxième hit, Léviator X. Let's go, j'aime bien cette carte. Elle est jolie. Deux hits déjà, il me reste pas mal de boosters. Est-ce que je vais faire un record? Léviator X Terra cristallisé là. Il fait plaisir. J'aime bien. Tu ouvres pour toi? En fait, j'ouvre juste une ETB parce que je voulais la carte promo. Mais oui, là c'est, oui, c'est pour moi à l'heure actuelle. Mais je voulais le Miraidon. Cacnea, Mascaïmon. Déjà, c'est plus des bords jaunes, hein, c'est des bords gris maintenant. Donc déjà, bah, ça change pas mal. Bandeau défi, gros drive, Hypnomade, Karmadura et Miascarade en holographie. Tu vois, donc t'as holo de toute façon minimum. Hein. Ça va faire à 12.5. Oh non, je vais pas la faire et finalement. Non. Après, bon, on n'est pas à l'abri que je vois un hit qui me plaît énormément et que bon, je tryhard pour l'avoir, mais normalement non. Après 12.5, ce qui est vraiment différent, c'est que je trouve que c'était pas un énorme investissement pour la finir parce que bah clairement, tu faisais beaucoup de hits dans les boosters, ce qui te permettait de faire facilement des échanges et tout, etc. Tu vois. Donc au final, tu avances assez vite quoi. Rongourmand. Oh! Oh, Miraidon Alternate X, les gars. Oh là là, est-ce que j'ai pas fait le hit de la série? Je sais pas. Oh là là, la dinguerie, cette carte. Wouah. C'est un des meilleurs hits, c'est une alt. Ah ouais? Ah ouais. Et ben voilà, mes deux cartes à faire grader. On est content ou pas? La plus chère avec le Coraidon, j'imagine. Je sais pas du tout, frérot. Je connais pas les codes des cartes, j'en sais rien. C'est juste un kiff et je les trouve magnifiques, les cartes. Oh là 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 là. Let's go! La plus chère, c'est une dresseuse alt. En japonais, ouais. En français, je pense pas. Ça va pas être les mêmes codes que les cartes japonaises, hein. Et les boosters pesaient... Non, là, c'est même plus loin. Là, je suis même plus dans le vice. Là, je pèse les ETB maintenant, les gars. Vous croyez quoi? Mais attendez, parce qu'il me reste tout ça, hein. Il me reste 4 boosters encore. Hein. En vrai, je pense qu'il y a plus rien, en vrai. On m'a fait 3 hits, c'est déjà énorme. Caninos, sympa. Chevroom et Karmadura. Quelqu'un est intéressé par les boosters de cartes, les reverse et les holos là? Parce que je lui fais un prix, hein, si vous voulez. Comme ça, ça m'évitera de la commencer. Tu vois, je directement, je me sépare des trucs. Multi-exp et Okaeta. 1$ le tout. Bon ben, du coup, non. C'est tôt pour acheter des reverse encore. Ouais, y'a pas que des rivers, c'est aussi des boosters, et enfin, c'est toutes les cartes, en fait. C'est toutes les cartes de mon ETB, hormis les hits, quoi. Si quelqu'un les veut, il les prend, quoi. Et même les sleeves, éventuellement, parce que je vais pas les garder. Donc, tu vois, les sleeves, ça peut être à 5 balles. Ah, mais j'ai compris, je mettrai sur Shiny, c'est pas grave, je mettrai sur Shiny, les gars. Je voulais être sympa avec vous, tant pis, hein. Gamblast, Vaudrive et Miascarade. Tu lâches tes sleeves maintenant, 5, elles partent en même pas une heure. Ça coûte que dalle aussi. Mais tant pis, je garderai, c'est pas grave, je ferai un lot shiny. Moi, y'a pas de problème, les potes. C'est pour arranger quelqu'un, hein, moi. 5 roubles. Putain, vous êtes vraiment des trolls. Ça mériterait un quatrième hit. Tissamboule. Chapignon.
Et tiens, le quatrième hit avec Branet X. Alors, tu vas faire quoi, là, avec tes ETB à deux hits, Chucky Chuck? Voilà, ça, c'est parce que vous me trollez. Bah, du coup, voilà, tant pis pour vous. Et ça, ça fera... Je suis certain, ça fera un heureux sur Shiny. Regarde ça, frérot. Toutes les cartes, plus... C'est Reverse. Oh là, oh là, oh là. 17 Reverse certifiés sans double et 5 holographiques sans double. Ah, les gars, j'ai des fournisseurs, j'achète pas comme vous, quoi. Eh bah, tant pis pour vous, les petits potes, ça fera plaisir à quelqu'un, j'en suis persuadé. Je vais faire un petit lot avec tout ça, et tous les boosters aussi avec toutes les cartes à l'intérieur. Comme ça, quelqu'un sera content, j'en chéris avec 5 tickets resto. Eh les gars, vous êtes vraiment méchants. Je vous le dis, vous êtes méchants. De toute façon, le lot va s'agrandir parce que je vais ouvrir la deuxième ETB pour avoir la deuxième. Mais attends, c'est double reverse dans les boosters? Bah oui, Ben, c'est énorme, c'est trop bien. Franchement, c'est dingue, hein. La Miraidon, elle, t'es à 200€ en anglais. Hein? Waouh. Ah, on a peut-être vraiment packé un banger, quoi. Ok. Mais franchement, rien que ces deux cartes, en fait, je suis content. Ça me fait ma petite gradation de Miraidon nouveau Pokémon. Je suis refait de ouf. Il y a juste la meilleure carte du set, en fait. Je sais pas. Il y en a sur Pokécard Dex, eBay réussi à 145€. Ah ouais? Paraît bizarre, quand même. Bon, bah, vas-y, je vais me faire ma deuxième ETB en attendant qu'il y ait d'autres commandes. Vu que je veux les deux promos. Comme ça, au moins, c'est fait. Ça va être dur de faire mieux que la première. Hein. Si je parle au petit Magikarp, je dirais pas non. Après, les ETB, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as ces cartes promo qui sont disponibles seulement dans les ETB, tu vois. C'est pour ça que les gens aiment bien avoir les deux ETB, parce que là, il y a deux ETB différentes, en plus, cette collection, pour avoir les deux cartes promo. Ouais, quand même classe, quoi. Allez, deuxième ouverture pour moi, ce sera les seules ouvertures d'ailleurs que je ferai de ces ETB, les gars. Parce que moi, je vais pas faire la collection, mais je voulais juste les deux cartes promo pour ma collection. Donc voilà, j'ai pris mes deux cartes promo. Et voyons voir ce que ça donne. Du coup, la dernière, c'est l'énergie, et il n'y a plus de manipulation à faire. On y va directement avec un petit coiffeton, Cacturne, Grodrive, Mésalédo, Tropius, la Reverse Mascaïman et Oyakata. Potion, Mustéboué, récupération d'énergie, Gourmelet, Lucario, Balbalaise, les sbires de la Team Star, la Reverse Échange, Deden et Pomarmotte en holographique. On commence beaucoup moins fort que la première ETB qu'on a ouverte. Allez, Floette, Pomme, Olivini, Topico, Crocorrible, Forteresse, Flamanroule, Pyrmito, Olivado et Flamigator. On l'avait pas vu encore, le Flamigator holo. Je sais pas. Riolu, Chevroom, Lepidonille, Flamanroule, Forteresse, Casque Brut, Tapatoès, Watwat et Kourousinge. Toujours pas de hit ici. Tout tombe. Groudog, Pérégrin, Meditikia, Dogrino, Fragroin, Motisma, la Pokéball et encore une holo. Les gars, il reste seulement 4 boosters et il y a exactement 0 hit pour le moment. Je peux ne rien avoir du tout, les gars. Polichombre, Poussacha, Malos, Baudrive, Dogrino, Spiritombe, Mimosa, Kirlia, Vrombotor. Ah, une carte ici quand même. Avec le Roue de Fer X. Un premier hit dans cette ETB. Non, les petites X comme ça, c'est pas des cartes vraiment full recherchées. On cherche beaucoup les full art des alternates. Cléopsytra. Miraidon Reverse. Oh. 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 C'est la carte que je voulais. Oh putain. Oh la chatte. Gardevoir X Full Art, les gars. C'est une masterclass, cette carte. C'est un tableau où tu peux avoir Kirlia justement aussi juste avant, avec la même famille plus jeune. Et tu peux avoir aussi le Tarsal bébé avec la famille. C'est insane. Ça, cette carte, elle est incroyable. C'est celle que je voulais du set. Là, c'est de la dinguerie, hein. On pack ces deux trucs là, hein, sur deux ETB, hein. Et c'est comme ça que Psy commence une collection. Non, laissez-moi tranquille. Je veux pas la faire, celle-là. Je voulais juste, à la base, j'ouvrais juste pour avoir les promos, hein. C'est tout, hein. Donc, du coup, bah, deux ETB à ouvrir. Oh là là, c'est incroyable. Potion, panier pique-nique et vrombre truc là. Ah, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Dernier booster. Mascaïman, Watwat, Dunaja, Scalproi, Cacturne, Mésalédo, pardon. Pania, Le Mangriffe,
et le Trousseau 1, ça sera deux hits, mais incroyable. Et puis alors, regardez deux ETB du coup, le résumé, Roue de Fer X, Branette X, Leviator X, Coraidon X, ça c'est la promo Miraidon, la promo Coraidon, et les deux bangers. Oh là là là, c'est incroyable. Oh là là, ça va partir en gradation chez TCC direct les potes.